je présenterai toutes mes sincères condoléances à toutes les familles qui sont implorées et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. C'est malheureux que chaque année, chaque fois, c'est des situations de ce genre qui se présentent. Et aujourd'hui, nous ne savons même plus le nombre de décédés. On ne connaît pas. Le nombre de blessés, on ne connaît pas. Chacun interprète les choses de son côté. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu mort d'homme, il y a eu atteinte à la vie des personnes. Donc, c'est malheureux que chaque fois, nous, en Guinée, qu'il y ait des situations de ce genre. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici en atelier pour parler des réparations pour les victimes de violations graves des droits de l'homme. Et au cours de cet atelier, que nous apprenons qu'il y a eu, n'est-ce pas, ce massacre. Il faut le dire, massacre, c'est un massacre qu'il y a eu à Zérékoré. Les chiffres varient selon les gens. L'État parle de 56 morts. Les ONG de défense des droits de l'homme parlent de 135 morts. La diaspora forestière parle de plus de 300 morts. Quand est-ce que nous allons cesser en Guinée de compter le nombre de morts, le nombre de blessés? Quand? On est fatigué. Soyons aussi un pays paisible où je ne dis pas qu'on va éradiquer complètement les violations des droits de l'homme, mais que ça diminue dans notre pays, qu'on devienne, n'est-ce pas, un pays normal. C'est très préoccupant, cette situation. La junte qui est là au pouvoir aujourd'hui, le 5 septembre 2021, c'est pas ces promesses qu'ils avaient faites. Ils avaient promis qu'ils allaient pacifier la Guinée, qu'ils allaient faire de la Guinée un havre de paix, un pays où on peut vivre sans crainte, un pays sécurisé. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui. Malheureusement, les violations continuent en plus grande ampleur. Autant de régimes, de l'ancien régime, nous avons dénombré 200 et quelques morts. Aujourd'hui, avec le nouveau régime militaire, là, nous en sommes à bientôt 200. Parce que si il est avéré à Zérékoré qu'il y a 135 morts, parce que c'est nos ONG qui sont allés et qui nous ont avancé ces chiffres, nous prenons donc en compte ces chiffres. Et avant ça, à chaque manifestation, il y a des morts. Nous avons décompté près de 60 morts déjà par balle. C'est vraiment préoccupant. Je voudrais attirer l'attention du gouvernement, particulièrement à leur chef de gouvernement, M. Baoury, qui est le Premier ministre aujourd'hui. M. Baoury est l'un des pionniers des défenseurs des droits de l'homme en Guinée. Il est membre fondateur de l'organisation, la première organisation des défenseurs des droits de l'homme, qui est l'OGDH. Nous lui demandons d'essayer de faire de manière à ce que ce pays soit un pays pacifique, où on viole moins les droits de l'homme. Il faut qu'il le dise, qu'il le fasse. Il n'a qu'à attirer l'attention de son président de la République pour que vraiment que cet état de fait cesse. Nous sommes très préoccupés. Tout le monde est indigné aujourd'hui en Guinée. Celui qui a promis que la justice serait la boussole des Guinéens, aujourd'hui est devenu pratiquement un meurtrier. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, on est indigné. Nous voulons, nous demandons, on l'a déjà dit, que des enquêtes claires et nettes soient faites, qu'une commission indépendante. Et l'autre jour, je l'ai dit, j'insiste pour que le barreau de Guinée participe, n'est-ce pas, et soit membre de la commission d'enquête. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la justice guinéenne, il faut le dire, elle est défaillante. Il y a des arrestations, il y a des kidnappings, il y a des disparitions. Donc tout ça, ce n'est pas à l'avantage du gouvernement guinéen, ce n'est pas à l'avantage de la justice guinéenne.
il faut qu'ils améliorent un peu leur notoriété. Il faut qu'ils améliorent la façon dont on les perçoit aujourd'hui. On les perçoit mal aujourd'hui. Il faut qu'ils améliorent ça. Il faut qu'ils changent. Que le peuple de Guinée ait une bonne perception de ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est ce que je veux pour le peuple de Guinée. Donc, cette commission d'enquête, il faut absolument, j'insiste, que le barreau de Guinée participe, soit membre de cette commission.